Et bonjour à tous, on se trouve pour la suite des aventures de Pokémon Emerald plus Nuzlocke. Dans l'épisode précédent, on avait réussi à battre l'arène de Myokara. Non, de Mérouville. Mérouville. Oui, on était à Mérouville. On avait battu l'arène de Mérouville, on avait récupéré le pack de vent et Pico. Et on avait battu notre rival. Donc maintenant, on va aller voir Monsieur Marco, qui est apparemment revenu chez lui. Tu veux de l'argent pour que je puisse t'enregistrer dans Pokémon? Quoi? Ça a toujours pas poussé? Oh! Heureusement que j'ai pas à refaire tout ça. Hein. C'est trop long. Du coup, c'est là. Oh, il poursuit son petit Pico. Attends, mon petit Pico, viens ici. Ah, tu es Pico, tu as sauvé mon Pico adoré. Nous devons une fière chandelle. Comment? Tu veux embarquer avec moi? Alors, comme ça, tu as une lettre à destination de Myokara et un paquet à déposer à Provercel. Tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer. Quoi qu'il en soit, pas de problème, je peux t'aider. Tu as frappé la bonne porte. On met le cap sur Myokara? Oui. Levons l'angle, Pico, mon chouchou, on met les voiles. Oh, la musique, elle est sympa. Oula. Papa? Ah non, c'est pas... Oh, Bieko? Où es-tu? On dirait que le vent souffle fort là où tu te trouves. Monsieur Rochard, de devant, vient me parler de ton Pokénav. Alors je me suis dit que je devais t'appeler. On dirait que tu vas plutôt bien. Je n'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter à ce que je vois. Fais attention à toi. Ah. Eh oui, évidemment que je vais bien. Pourquoi ça irait mal? Oh yeah, nous sommes arrivés à Myokara. Je suppose que tu dois aller remettre cette lettre à ce... comment... Pierre? En effet. Ouais, tu as franchi la mer pour venir visiter Myokara? Tu es passé ici parce que tu as entendu parler de Bastien? Il est super cool, tout le monde l'adore. Regarde-moi cette merveille. C'est un mouchoir. C'est à la pointe de la mode. Je vois une lueur dans tes yeux. Mon style éblouissant te plaît? Tu me fais plaisir, alors je te le donne. Mouchois? C'est quoi ça? Un mouchois? Objet tenu, augmentant la puissance des attaques normales. Un mouchois? Un mouchoir en soie? Vas-y, je le mets à... À qui? Il y a surtout Dumbo. Je vais vérifier un truc. Dumbo, il y a un truc. Une super boule. C'est trop bien qu'il puisse ramasser des objets. J'ai juste envie de voir c'est quoi. Ouais, coup de corne. Coup de corne, je vais en avoir besoin. Le village de Myokara est une petite communauté insulaire. Ici, quand un truc est à la mode, tout le monde se l'arrache. C'est un endroit renommé pour la pêche. Tu as attrapé le virus de la pêche? Ouais. J'ai entendu ce que tu as dit, et j'ai apprécié tes paroles. J'ai juste dit oui. Je te donne une de mes cannes à pêche. Ah, on chope la canne. Ah, ça veut dire qu'on peut pêcher à Myokara. Et en plus, je vais même te donner un petit conseil pour la pêche. D'abord te placer face à la mer et ensuite utiliser la canne. Concentre-toi, si ça mord, tire sur la canne. Parfois tu peux attraper quelque chose tout de suite, mais pour les plus grosses prises, faut prendre le temps de tirer sur la canne pour les ramener. Du coup on est d'accord, on est à Myokara là. Voilà, là je suis sur un chenal. Et là je suis à Myokara.
J'ai 12 Pokéballs, c'est pas énorme. On va enregistrer et on va utiliser. Rien de rien. Rien de rien. Allez, quand même. Oh, ça mort. Il est reparti. Oh, comment ça? Ah, faut peut-être que j'appuie quand ça mort. Ok, c'est bon. Faut juste que j'appuie sur la touche. Oh, un Pokémon a mordu à l'hameçon. Côte au vol, ouais. Flamèche, ouais. Ok, c'est bon, ça fait pas tant de dégâts que ça. Par contre, j'ai brûlé, non! Ah, c'est pas cool ça. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça aussi, ça doit être super efficace. Poison contre une plante. Ouais, je suis idiot. Bon, je le touche plus là. Pokéball. Ah, dommage. Oh, il synthèse. D'accord, il récupère son énergie. D'accord, il peut faire ça. Ça me rassure un peu. Il a trempé tes synthèses. Faut se souvenir quand même qu'ils ont 30% de chance de s'enfuir de la Pokéball. Hein. En plus que d'habitude. Ah, il a quand même charge. Allez, raison à Pokéball. Après, c'est quand même une évolution, donc... Ah, écran fumé empêche la réduction de stats. On va utiliser le grand ball maintenant qu'il est en rouge. Yes. Côte au volet attrapé. Côte au vol traverse la mer, porté par les vents pour découvrir de nouveaux territoires. Ce Pokémon se rapproche du sol quand le vent est trop froid. Allergie. J'ai envie d'aller voir c'est quoi comme type. Je vais même aller pêcher sur Chenon qui est au-dessus, qui est le 105 je crois. Par contre j'ai pas beaucoup de potions donc... Tu as combien d'argent? J'ai 5800. C'est quoi ça? Centre culturel. Je te dis l'information. On va retourner à Clémenti. On va aller chercher des Pokéballs. On va en prendre plein, plein, plein. Parce que du coup, là, il y a le chenal. Il y aura d'autres endroits, peut-être un chenal à droite de là où on était. Donc c'est intéressant d'avoir beaucoup de Pokéball, parce que si je tombe encore sur un Pokémon évolué, il risque de poser problème. Jirachi, oh ça peut être pas mal si c'est un Pokémon de type acier. Meltdown, il a juste à le brûler, c'est fini. Pas mal.
Niveau 8. Du coup, je vais en acheter 10. Et 10 de plus. Ça me fait 29, plus 2 Honor Ball que j'ai récupéré. Ah, on peut pêcher à Clémentiville aussi. Allez, c'est parti. Ah, je suis un génie. Je suis un génie. Et je suis dégoûté aussi. Ningal. Je pensais pas que ça allait one shot. Moi, je suis vraiment un génie, hein. Est-ce que ça compte? Je sais pas si ça compte. On va juste essayer de balancer une Pokéball pour voir. Ouais, non, ça passe pas. Bah, on va combattre, hein. Fait mal. Et Red Bull. Si je baisse son attaque. Un petit coup de corne, bam, avec le mouchoir soie qui augmente mes dégâts, pas mal. On va retourner voir Monsieur Marco et on va partir. Bon, ça prend un peu de temps, mais maintenant j'ai beaucoup de Pokéball. Ok, donc Chenal 105. Chenal 106. Ok, donc je vais pêcher au Chenal 106. Et là, je suis à Mukara. On va se soigner. On va passer au Chenal 106. J'aimerais bien remplacer un peu certains Pokémon, un peu comme Cutie Pie. Parce que j'ai déjà un Pokémon de type normal qui est Tauros, donc... Oh ! Un Spectrum ! Il faut que je l'aie. Oh non, il m'hypnose. Bébé marron.
Ouais, je mettrai de boules. Un spectrum, ça c'est parfait. Ok, il a dépit, hypnose et les chouilles. Allez. Ouais, évidemment. Je sais pas trop ce que je peux faire pour... Ah si, je peux mettre... Je peux mettre Cutie Pie et l'endormir. Si on m'endort pas avant. Voilà. Là, il est endormi. Et dans le jaune. Allez. Allez, rendre un Pokéball. Yes! Est-ce que c'est le retour de Joker? Spectrum est un Pokémon dangereux. Si l'un d'entre eux fait signe d'approcher, il ne faut pas l'écouter. Il risque de sortir sa langue et essayer de voler votre vie. Et c'est le retour de Joker? Ça c'est une bonne nouvelle. Immunité au type normal. À qui c'est que j'enlève par contre? En fait, le problème c'est que Cutie Pie peut m'aider à capturer encore plus de Pokémon. Et en fait, Dumbo n'a pas de type. N'a pas de. Comment? N'a pas de. De compétences de type sol. Et c'est un peu embêtant. Parce que du coup, il a que des attaques de type normal et c'est compliqué. Je vais garder Cutie Pie pour un moment, le temps que j'arrive à capturer plein de Pokémon avec sa berceuse. Bah allez, on va continuer. Que font les gens s'ils ont envie d'aller aux toilettes? Je fais quoi si j'ai une touche quand je suis aux toilettes? J'oublie de rester là? Quoi? Bah tu te retiens. Un Négapi. Ah bah pour le coup ça aurait été bien d'avoir gardé Dumbo. Ouh, ça a pas fait beaucoup de dégâts ça. Est-ce que je peux l'empoisonner? Yes. Attends, mais... Il est quoi comme type? Il est type feu, oui. Ok, je pensais qu'il faisait pas de type... Je pensais que le Négapi adverse n'allait pas faire de type éclair parce que j'étais seul, feu. Mais en fait, je suis juste feu, de base. Il fait juste des vieux attaques. Ok. Mais c'est vrai que je suis idiot. Mais je suis complètement idiot. J'ai pas besoin de Cutie Pie, j'ai
Joker qui hypnose. Je réfléchis pas assez là. Ça me donnera une immunité au type électrique. Par contre, il va falloir que j'augmente. Faudra que j'augmente Joker. Ouais, niveau 11, ça manque un peu. On va rester comme ça. Donc, chenille 106, c'est fait. Un dresseur. Que préfères-tu? Pêcher en mer ou en rivière? Personnellement, je préfère pêcher en rivière. Spoink. C'est type quoi? C'est type psy, non? Aïe, 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 aïe. Ouf. Bon, on va l'augmenter à côté. Il a fait beaucoup plus mal que ce que je pensais, le Spoink. Spoink, Spoink, Spoink. Et la trempette. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts, Meltdown. C'est un peu dommage pour Meltdown qui tape pas fort en fait. On va regarder un peu ses stats à Meltdown. C'est attaque spéciale. Oh, pourtant c'est pas mal. La vitesse est dégueulasse par contre, mais il y a une grosse défense. Et pourtant, ça fait pas assez de dégâts. Ouf, oh, ça fait des dégâts celui-là. Oh mince, j'ai oublié de changer. Allez, Dumbo. Oh non, mais Dumbo, je te ressors de la boîte, c'est pas pour faire. C'est pas pour rater ta première attaque. Oh, ectoplasma. Ça va être un peu compliqué de ramener Joker, mais je vais le tenter. Ok, il y a dépit. Ce type feu, mais il va prendre trop cher. Bah, je vais prendre à quoi? Ah, en plus, à quoi va passer niveau 20 et je peux plus bouger qu'à quoi? Ah là là. Et il est plus rapide que moi. Après, c'est vrai que du coup, je suis brave si j'en souviens bien avec à quoi. Ah, c'est bon, je suis plus rapide. Ça va pas jouer à grand chose.
Joker qui passe niveau 12. Aqua qui passe niveau 20. Un tas de morve. J'ai envoyé Joker. Ah ah! Juste réveille-toi. Juste réveille-toi et lèche-le. Allez, Joker. Oh bah non. Ah super. Bon, au moins ça c'est fait. On va rappeler à quoi. Taper sur le spécial hein, vu que ah bah coup critique vu qu'il avait fait deux armures. Comme à la pêche en mer, j'ai perdu de façon spectaculaire. C'est cool la pêche, un peu comme les combats quoi. Faut qu'on remette ça un jour. Ah non mais je veux pas. Pouce étoile. C'est quoi ça? Sable rouge serait fait un peu être vendu à très bon prix. Enfin, à bon prix. Ok. Bon, je peux pas surfer. On va rentrer, se soigner. Et apparemment, il y a une grotte. Donc, on va aller capturer notre Pokémon de la grotte. Allez, un bon Pokémon s'il vous plaît. C'est Vibranymph. Je sais pas trop ce que c'est comme Pokémon. C'est pas normal, c'est peut-être Sol. Oula, 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 oula. Non. Qu'est-ce que je peux faire? Dumbo. Et juste une charge. Ok, ça a l'air d'aller. Ouais, du coup, si l'ennemi a quelque chose comme... comme morsure, enfin une attaque de type ténèbres. Le problème c'est que Joker il peut pas aller dessus. On va lui baisser son attaque comme ça, ça va faire moins de dégâts la morsure. C'est pas trop grave. Ah j'ai pas de baie pour les PV. On va tenter comme ça. Ah, presque. Si c'est un type sol, je pourrais peut-être le remplacer... Je pourrais peut-être remplacer Dumbo par Vibranin si j'arrive à le capturer.
Ouh. Il crée des ultrasons en joignant ses ailes entre elles. Comme elles ne sont pas complètement formées, il ne peut voler que sur de courtes distances. C'est un peu dommage, ça. On va lui donner un surnom et je vous retrouve dans un instant. Du coup, je l'ai appelé Jade, en rapport avec la couleur verte prédominante du Pokémon. On va aller voir. Hein. Vu ses ailes, c'est soit insecte sol, soit sol vol. Non, ça me paraît trop bizarre, sol vol. Sol dragon. Sol dragon. Et ignore les attaques sol. Il a morsure, feinte, tourbissal, jet de sable. Et tout de suite, il m'intéresse plus que Dumbo. Oh, Dumbo, il a une super boule. Attends, je prends l'objet de Dumbo. Ça m'embête un peu parce que Dumbo il me donne. Oh, il m'a donné une super ball, c'est cool ça. Mais dommage, il est pas assez. Il n'y a pas de stab en fait. J'essaie de voir si je peux pas faire un truc avec les boîtes. Les mettre par type. C'est déjà pas mal comme épisode là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Un nouvel avis arrivant dans l'équipe. Jade. Ainsi que Joker. Oh, on est une équipe qui envoie. Allez, ah mais Joker et Jade ignorent les attaques sol. Pas mal. Du coup, on va sauvegarder là. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Tchuss.